Alors, dans cette vidéo, on va étudier une distinction en économie, qui est la distinction entre la microéconomie et la macroéconomie. Alors, micro, ça veut dire petit, et donc, tout ce qui concerne la microéconomie, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les individus, les individus, les ménages, et les entreprises. Alors que tout ce qui concerne la macroéconomie, macro, ça veut dire grand, et donc la macroéconomie, ça va surtout s'intéresser à la société tout entière, au pays, et même parfois plus généralement à plusieurs pays, à plusieurs nations. Et cette différence dans l'objet de notre étude, que l'on s'intéresse à la micro ou à la macroéconomie, ça va nous permettre de nous intéresser à des questions qui sont différentes. Par exemple, dans le cas de la microéconomie, on va par exemple se demander... Quelle combinaison permettra au ménage, permettra à un individu de rentrer dans son budget Est-ce qu'un individu doit plutôt faire un temps complet ou un mi-temps Est-ce qu'un ménage doit davantage économiser ou davantage justement dépenser de l'argent Et donc ce sont des considérations qui vont nous permettre de nous intéresser au prix des objets, au prix de la marchandise, à leur vente, à la quantité de marchandise qui est vendue ou achetée. Et également à la façon dont le consommateur en particulier réagit face à certaines situations. Et comme nous étudions le consommateur, par extension, nous étudions également l'entreprise qui vend les produits ou les services que le consommateur souhaite acheter. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la microéconomie. Dans la macroéconomie, comme on étudie des choses qui sont bien plus larges, comme la société et ou des ensembles de pays, eh bien, on va étudier des choses comme par exemple la production d'un pays, son économie de manière vraiment très très générale, et ça, on va le faire à l'aide d'indicateurs généralement. Donc des indicateurs comme par exemple, et on les verra bien plus en détail évidemment par la suite, le PIB, donc le produit intérieur brut, le niveau de vie, le fait qu'une monnaie soit plutôt en inflation ou en déflation, donc inflation. ou déflation. Et en étudiant tous ces indicateurs et toutes ces choses, eh bien on va également étudier la manière dont le pouvoir politique influe justement sur ces indicateurs, sur ces indices macroéconomiques. Donc on va également étudier le rôle des gouvernements et des gouvernants quant à la gestion précisément de cette monnaie, que ce soit avec des politiques monétaires ou avec des politiques budgétaires. Donc cette vidéo, c'était vraiment un survol de toutes les questions et de tous les concepts que l'on va étudier. S'il y a des choses dont vous n'avez encore jamais entendu parler, ne vous inquiétez pas, c'est normal, on va les étudier justement dans les vidéos qui vont suivre. Mais en attendant, voilà, c'est intéressant de faire cette distinction entre le microéconomique et le macroéconomique pour bien distinguer justement les questions qui vont nous intéresser. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.